Saloué et bienvenue à la Domus Caesaris. Aujourd'hui, on continue notre cycle sur la guerre de Troie et cette fois-ci avec une interview d'Amandine Marshall. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce second épisode sur la guerre de Troie. Le premier avait été initié par mon ami et collègue Darius Trimégiste. Donc à mon tour de vous parler de cette épopée version homérique et de parler aussi de quelques autres textes un petit peu moins connus. Alors, les mythographes, souvent tardifs, se sont concentrés sur une seule et unique source de la guerre de Troie, Hélène. La belle Hélène faisant de l'épouse adultère de Ménélas la seule et unique cause de la guerre de Troie. En réalité, de part et d'autre de la mer Égée, donc que ce soit en Grèce ou en Asie mineure, c'est un enchaînement de sept événements très disparates et pourtant étroitement imbriqués qui vont mener à la plus célèbre guerre des mythes grecs. Le point de départ débute à Sparte. Sparte qui est alors gouvernée par le roi Tindare et qui entre en conflit ouvert avec Aphrodite. Pour montrer et témoigner à la déesse son mépris pour ses mœurs légères, il entre dans le sanctuaire, dans le temple de la déesse et entoure la statue de la déesse de chêne. Comment penser, en commettant un tel crime de lèse divinité, qu'Aphrodite, surtout réputée pour être quand même une déesse vindicative et cruelle, allait laisser passer l'affront? Donc bien évidemment, la déesse va se venger, en jetant non pas un sort, une malédiction sur Tindare lui-même, mais sur tous ses proches. La malédiction commence avec Léda, qui succombe au charme de Zeus, alors métamorphosé en cygne, et quelques mois plus tard, la reine met au monde deux énormes œufs, dont le premier se trouvent les enfants de Zeus, Hélène et son frère jumeau Polydeucès, plus connu sous son nom latin de Pollux, et dans le second se trouvent Clytemnestre et son frère Castor, les enfants de Tindare. Donc première victime, Léda, ensuite ça va être au tour des enfants mâles, Castor et Pollux, qui sont souvent appelés les Dioscures, et qui en se rendant au mariage de leurs cousins Idas et Lyncée, vont tomber éperdument amoureux des fiancés de leurs cousins qu'ils vont enlever. Bien évidemment, les fiancés se lancent à leur poursuite, s'engage une lutte, au cours de laquelle les deux princes fiancés vont mourir, de même que Castor. Et Polydeucès, qui est complètement éploré, va supplier son père Zeus de faire quelque chose et va obtenir de lui de pouvoir partager son immortalité au ciel où les deux vont devenir la constellation des Gémeaux. Ensuite, ça va être au tour de Timandra, la sœur aînée d'Hélène. Ça va être au tour de sa sœur Clytemnestre, qui va aussi devenir une épouse adultère. Et bien évidemment, la malédiction touche la belle Hélène, qui va succomber au charme de Paris après avoir subi un sortilège lancé par Aphrodite pour donc succomber au charme du jeune prince troyen. Le second élément déclencheur de la guerre de Troie est l'exposition de Paris. Donc là on part de l'autre côté de la mer, on part en Asie mineure. À ce moment-là, la reine Hécube, la reine de Troie, est enceinte et elle va faire un songe absolument terrible. Elle rêve qu'elle met au monde une torche enflammée d'où s'échappent des serpents. L'oracle qui est consulté annonce alors que l'enfant qu'elle va mettre au monde détruira un jour la cité de Troie. Alors comme dans tous les mythes grecs, très souvent quand de sombres prophéties sont annoncées, on essaye de les éviter, mais elles adviennent toujours inéluctablement. Donc Priam et Hécube vont décider d'abandonner l'enfant, donc de l'exposer dans la montagne, en se disant que si jamais l'enfant est vraiment innocent, les dieux le sauveront, et que s'il était vraiment porteur de cette terrible malédiction, le cruel sort devrait normalement en terminer. Sauf que Paris va être recueilli par des bergers qui vont l'élever comme s'il était l'un des siens. Et donc pendant les toutes premières années de sa vie, il va ignorer qu'en fait il est prince de Troie. On repart de nouveau de l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce, où la belle Hélène est devenue la plus belle femme de Troie. Et donc Tindare, son beau-père, est décidé à tirer parti de cette magnifique beauté et de s'allier un gendre puissant. Donc il fait annoncer un petit peu partout dans le royaume que il va donner la main d'Hélène
au gendre qu'il aura choisi, et donc attiré par la beauté d'Hélène, puis bon, par le prestige d'être aussi associé à la maison de Sparte, ben, de très 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 nombreux rois et princes à court, donc dans la cité de Sparte. Problème, Tandar, à un moment donné, se dit, là, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, peut-être que je vais avoir des problèmes avec un ou plusieurs des prétendants une fois que j'aurai annoncé mon choix. La solution qui est trouvée, ça va être de leur faire prêter un serment, serment qui les engage à ne pas se retourner contre Tandar et contre sa décision, donc une fois qu'il aura fait son choix. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le destin de Troie était déjà scellé. Et donc, les prétendants vont aussi s'engager, par serment, à porter secours à l'élu choisi par Tandar si jamais son épouse venait un jour à lui être enlevée. Alors le quatrième maillon qui va aboutir à la guerre de Troie, ben, c'est le dépit de la déesse Eris, la déesse de la discorde, de ne pas avoir été conviée aux noces de la belle Néride, la nef des mères Tétis, avec le roi Pélée. Donc pour se venger, elle se rend au jardin des Hespérides, cueille une pomme d'or et grave dessus à la plus belle. Et sans se faire voir, elle jette la pomme d'or pendant la cérémonie à la table où se trouvent les déesses principales de l'Olympe. Et aussitôt, c'est la pagaille, puisque Héra, la grande reine des déesses, épouse de Zeus, Aphrodite, fille de Zeus, et Athéna, une autre fille de Zeus, vont toutes trois en fait, s'entre-déchirer pour obtenir la pomme et surtout le prix de plus belle des déesses tant convoitée. Zeus, qui ne veut certainement pas prendre parti, hein, il est quand même marié à la première et père des deux autres, va donc charger son fils Hermès de conduire les trois déesses sur le mont Ida, où le jeune Paris, qui est donc en train de veiller sur ses animaux, sera chargé de départager les trois déesses. Et bien évidemment, ben, le jeune homme, qui jusque-là n'est qu'un simple berger, est très intimidé de voir quatre divinités de l'Olympe apparaître devant lui, et donc il ne sait trop que faire, que dire et surtout comment choisir. Aphrodite suggère alors perfidement que on pourrait peut-être récompenser le jeune Paris de son choix. Alors bien évidemment, Athéna et Héra, qui sont persuadées qu'elles auront un meilleur prix à offrir, acceptent l'offre. Aphrodite propose donc au jeune homme la main de la plus belle femme du monde, sauf que Paris est quand même déjà marié, il est marié à une nymphe du nom de Œnone, et elle ne lui précise pas que de son côté, la plus belle femme monde, Hélène, est elle-même mariée. Athéna lui propose ensuite le don suivant. Elle lui dit que si jamais il l'a choisi, elle le rendra victorieux à toutes les guerres et toutes les batailles qu'il souhaitera mener. Quant à Héra, elle lui propose tout simplement de le rendre maître de l'Asie mineure. Mais comment un jeune homme, qui n'avait connu jusque-là que quelques nymphes, qui habitaient dans les montagnes, qui ne savait manier rien d'autre que l'arc, qui est considéré comme une âme vile et méprisante à l'époque, comment un tel jeune homme aurait pu être séduit par les présents d'Athéna ou d'Héra? C'est donc tout naturellement et quand même logiquement que son choix va donc se porter sur Aphrodite, puisqu'Aphrodite est quand même la déesse de la beauté, en plus d'être la déesse de l'amour. Et donc là, dernier maillon menant à la guerre de Troie n'est plus qu'une formalité, puisque les deux déesses, Héra et Athéna, vont jurer la perte de Paris et donc dans le même temps la perte de Troie. En effet, quelques temps après, Paris va découvrir ses véritables origines, il va être accueilli à bras ouverts par sa famille royale, qui oublie la néfaste prophétie qui avait entouré donc les conditions assez tragiques de son exposition. Et donc, trouvant une excuse pour se rendre en Grèce, il va débarquer à Sparte et va succomber au charme naturel d'Hélène, qui elle-même, subissant un sortilège d'Aphrodite, va tomber éperdument amoureuse et donc suivre Paris jusqu'à Troie. Alors, on a beaucoup glosé sur l'enlèvement de la belle Hélène, sauf que si l'on suit les tout premiers textes antiques, on se rend compte que finalement, vous voyez, Hélène n'est plus qu'un dernier maillon d'une chaîne qui a déjà été bien avancée pour aboutir à ce conflit, qu'elle a en fait suivi volontairement de Paris, certes, mais suivi pourquoi? Parce que elle était sous l'emprise du charme d'Aphrodite, et quand bien même aurait-elle été enlevée, enlevée signifie qu'elle aurait donc résisté, et donc que ce soit une version ou l'autre, en aucun cas, elle ne peut être tenue
pour responsable de ce conflit, donc qui va déchirer les deux parties de la Méditerranée qu'on peut même considérer comme une véritable guerre mondiale au niveau de la Méditerranée. Bon, peu de gens le savent, mais la guerre de Troie va être du côté des Grecs toute une expédition et même trois. En effet, entre le moment où Hélène suit Paris à Troie et le moment où les Grecs vont affronter pour la première fois les Troyens, il ne se passe pas moins de 8 années et bien des galères avant que les Grecs n'arrivent enfin à Troie. Explication. Ménélas regagne Sparte et découvre que son épouse est partie avec Paris, il se rue chez son frère Agamemnon. Rusé, le puissant roi de Mycène, voit dans ce départ d'Hélène avec Paris l'opportunité d'une part d'agrandir et d'étendre l'hégémonie de son royaume et surtout de mettre la main sur Troie qui jusque-là détenait tout contrôle sur le détroit des Dardanelles et qui donc avait une mainmise assez importante sur le commerce maritime qui menait vers la mer Noire et vers l'Asie centrale. Donc Agamemnon va suggérer perfidement à son frère de déterrer le serment des prétendants et de là messagers vont donc partir un petit peu partout en Grèce pour prévenir princes et rois qui s'étaient retrouvés dans les rangs des prétendants qu'aujourd'hui Ménélas a besoin d'eux. Alors bien évidemment, ils se moquent complètement de ce conflit, n'ont certainement pas envie d'y participer, mais le serment les oblige, et donc pendant des années, ils vont donc rassembler les troupes, se préparer et les entraîner. Vient ensuite le moment où les Grecs sont enfin prêts, et vont donc embarquer pour la célèbre ville de Troie. Sauf que, vous allez le voir, ils sont pas très très doués, puisqu'ils vont débarquer en Mysie, donc c'est une région qui se trouve au sud de la Troade, et ils vont attaquer la petite ville de Teutrania en pensant qu'il s'agit de Troie. Donc il va y avoir plusieurs batailles, plusieurs affrontements, la ville va même plutôt bien résister et mettre certaines déculottées aux Grecs, avant que ceux-ci ne se rendent compte de leur méprise. Ils décident donc de réembarquer pour Troie, sauf qu'une tempête les disperse, et donc progressivement, chacun d'eux va se dire qu'il vaut mieux repartir sur la Grèce. Donc tout ça va leur faire perdre beaucoup de temps. Et donc ce n'est que des mois et des mois plus tard que tous les chefs de Troie se rassemblent de nouveau à Aulis. Alors qu'ils sont prêts à partir, Agamemnon va commettre une offense envers Artémis, qui du coup fait se lever des vents puissants et violents qui empêchent les nefs grecs de partir sereinement. Un devin est consulté et annonce que seul le sacrifice d'Iphigénie, la fille aînée d'Agamemnon et de Clytemnestre, apaisera le courroux de la déesse. Sur un faux prétexte, Agamemnon fait donc venir sa fille, et là, selon les variantes, dans certains mythes, on nous raconte qu'Iphigénie va être effectivement sacrifiée, dans d'autres, que la déesse Artémis va finalement sauver la jeune fille. Quoi qu'il en soit, les vents violents tombent et les Grecs peuvent en faire enfin partir. Et là, ils arrivent en Troade, sauf qu'ils débarquent sur la mauvaise plage, ils arrivent sur la cité voisine de Ténédos, qu'ils pensent être Troie, et de nouveau attaquent la mauvaise cité. Après des affrontements, ils se rendent compte de leur seconde méprise, décident de réembarquer, et ce n'est qu'à la troisième et dernière tentative qu'enfin ils vont arriver sur la plage de Troie. Homère est celui qui nous a laissé le récit le plus long de la guerre de Troie, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il débute son récit, cela fait déjà 9 années que la guerre bat son plein. La ruse du cheval de Troie, qui permit aux Grecs qui étaient cachés à l'intérieur de rentrer sans souci dans la ville endormie et de mettre enfin un terme au siège de Troie qui durait quand même depuis une dizaine d'années, est bien sûr connu de tous. Toutefois, cette version officielle va être remise en question dès l'Antiquité par plusieurs auteurs que l'histoire a choisi d'oublier. Alors contrairement à une idée reçue, l'Iliade s'achève non pas sur la fin de la guerre de Troie, mais sur les funérailles d'Hector, le valeureux prince de la cité de Troie, qui était vraiment le dernier rempart de la ville pour faire face aux Grecs qui l'assiégeaient. À ce stade-là, si le public qui écoutait Laède déclamer son poème savait que le sort de Troie était scellé, il lui fallait toutefois attendre
le second récit important d'Homère, l'Odyssée, pour apprendre ce qui s'était passé réellement au moment de la chute de Troie. Alors l'Odyssée, le nom nous vient d'Odysseus, qui est le nom grec, en fait moins connu que le nom latin d'Ulysse, et raconte les déboires du roi de la cité d'Ithaque pour rentrer chez lui après la guerre. Alors le chant 1 nous apprend que Ulysse est retenu en captivité par la nymphe Calypso, qui est tombée amoureuse de lui, et il faut attendre le chant 8 pour apprendre enfin ce qui s'est passé à Troie et comment la cité va être prise par les Grecs. Et pourtant, alors que le conflit dure depuis une vingtaine d'années, Homère ne va tout simplement raconter cette fin de Troie qu'en 8 vers. 8 vers, et peut-être qu'effectivement ce choix n'est pas anodin. Alors en effet, dès l'Antiquité, plusieurs versions divergentes vont s'opposer à la version du cheval de Troie. Alors l'auteur le plus ancien qui est connu et qui livre une version différente de celle d'Homère est Euphorion de Chalcis, qui vit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors Euphorion de Chalcis, lui, raconte qu'en fait, les Grecs sont parvenus à Troie à bord de plusieurs nefs et que l'une de ces nefs s'appelait Hippos. Hippos, le cheval en grec, et donc cette nef qui s'appelait Hippos va donner lieu au célèbre cheval de Troie. Mais il n'y a jamais eu pour lui de statue géante en bois qui figurait un cheval et qui aurait donc permis par la ruse de s'introduire dans Troie. À sa suite, un autre auteur, Denis d'Halicarnasse, au 1er siècle avant notre ère, raconte lui que Troie serait probablement tombée suite à une trahison de la famille d'Anténor. Alors Anténor est un noble de Troie, très important, un des conseillers de Priam, et effectivement, Homère rapporte que Anténor, ayant vu dans les rues de sa cité Ulysse, alors déguisé en mendiant, ne l'avait pas signalé, ce qui effectivement indéniablement fait de lui un traître. Pour autant, ouvrit-il les portes de sa cité aux Grecs? C'est en tout cas la théorie développée par Denis d'Halicarnasse. Entre le 1er siècle et le 3e siècle de notre ère, on a un autre texte qui a été supposément écrit par Dictys de Crète. Alors supposément parce que l'auteur raconte qu'il a lui-même participé à la guerre de Troie. Et donc il raconte qu'en fait, la porte de Cié, qui est vraiment la porte principale de la cité de Troie, était ornée à l'extérieur d'une tête de cheval. Et comme les Grecs ont pénétré à l'intérieur de la cité par la porte de Cié, du coup, on appelait ça le cheval de Troie. Alors, que ce soit un vrai récit grec, un faux romain d'inspiration grecque, en tous les cas, le récit de Dictys de Crète livre lui aussi une variante au récit homérique. Dernier auteur qui nous donne aussi une version divergente, c'est Jean le Lydien. Alors lui, c'est un auteur byzantin qui a vécu au 6e siècle de notre ère, mais qui rapporte que plusieurs auteurs antiques indique que en fait les Grecs ont pénétré dans la cité par une porte qui s'appelait la porte du cheval et que du coup on a appelé ça le cheval de Troie. Donc vous voyez, on a quand même plusieurs auteurs qui effectivement essayent de livrer une autre version différente. Et pourquoi? La raison en est simple. Et en fait, on en trouve une piste dans Euripide et dans son célèbre poème Ressos. Ressos, qui est le nom du roi Thrace, qui avait répondu à l'appel du roi Priam, et qui, en cours de route donc pour rejoindre la cité de Troie, va être assassiné dans son sommeil par Ulysse et Diomède. Et donc, dans ce poème, on apprend que, donc, je cite, « Un homme de cœur ne fait point périr son ennemi furtivement, mais il l'attaque de front. Ce fourbe qui se tient, dis-tu, à son poste d'observation, d'où il tend ses pièges, je le prendrai vivant, et je lui percerai l'épine du dos. » Or, les Grecs ont pénétré dans Troie de nuit par un subterfuge, donc une statue colossale de cheval. Et donc, effectivement, on voit que c'est une véritable épine dans le pied de plusieurs auteurs antiques, puisqu'elle les empêche finalement de savourer la belle victoire militaire de leur héros mythique. Et donc, c'est pour ça que plusieurs auteurs anciens vont essayer de trouver une version divergente, et c'est très certainement pour cette raison que Homère finalement ne parle de la chute de Troie qu'en 8 vers seulement, alors qu'il pouvait être très prolixe à propos de bien des affrontements entre Grecs et Troyens. Si la belle Hélène, communément appelée Hélène de Troie, est connue de tous, pourtant son personnage reste
largement méconnue puisque les gens ne la connaissent qu'à travers le prisme tristement célèbre de la guerre de Troie. Pourtant, Hélène a eu une vie très remplie avant la guerre de Troie, bien évidemment durant et après la guerre de Troie. Considérée avec bienveillance par certains auteurs anciens comme Homère et quelques autres, elle va aussi être présentée et surtout jugée comme une femme froide, hautaine, indifférente aux milliers de morts causés par cette guerre de Troie. Et c'est là qu'on voit que, ben, finalement, c'est toujours la même chose, d'une civilisation à une autre, la déconsidération de la femme antique est souvent la même, et son expression passe par toutes sortes de maux ou de malheurs qui sont associés à la femme. On se souviendra bien sûr que Ève corrompit Adam en lui remettant une pomme qui du coup entraîna la déchéance de l'homme. C'est également une pomme d'or qui va être lancée par Eris sur la table où sont les plus belles déesses et qui va finalement aboutir à ce conflit que l'on peut considérer comme une véritable guerre mondiale à l'échelle de la Méditerranée. Et c'est toujours et encore une femme, Pandore, qui va ouvrir la célèbre boîte que l'on appelle donc la boîte de Pandore, d'où vont se répandre sur toute la Terre et à travers toute la Terre différents maux et maladies. Comment alors s'étonner que dans un contexte aussi défavorable aux femmes, et notamment à l'égard donc de la femme grecque, comment donc s'étonner que Hélène ait été rendue responsable, unique responsable de cette guerre par bien des auteurs anciens? Pourtant, on l'a vu en début d'interview, ce sont différents maillons étroitement imbriqués qui vont mener à la guerre de Troie et Hélène ne peut en rien être tenue pour responsable, qu'elle était enlevée donc de force par Paris ou qu'elle ait succombé sous l'emprise d'un sortilège au charme du jeune prince. Alors, outre la manipulation des faits mythologiques par certains auteurs anciens et qui donc montrent bien la déconsidération qu'ils ont pour la femme grecque, Hélène, on le voit, et donc bien d'autres femmes avant elle, n'a absolument aucune emprise sur son destin ou même sur sa vie. Alors qu'elle est âgée tout juste de 14 ans, elle est enlevée par le héros Thésée, qui a alors une bonne cinquantaine d'années, et l'oblige à l'épouser. Quelques années plus tard, elle est sauvée par ses deux frères, qui la ramènent à Sparte, et là, peu après, elle va être vendue par son beau-père Tindare au prince Ménélas. Ensuite, c'est Aphrodite qui lui jette un sort, l'oblige à tomber éperdument amoureuse de Paris, qu'elle va suivre à Troie. À Troie, une fois que son époux est décédé, son beau-père Priam va l'obliger à épouser Deiphobos, l'un des frères de Paris, qui est relativement cruel. Et lorsque Deiphobos va être tué par Ménélas à la fin de la guerre de Troie, revient donc, sans qu'on lui demande son avis, auprès de son second époux. Ensuite, après bien des galères, puisque Ménélas et Hélène vont aussi rencontrer beaucoup de déboires pour rentrer dans leur pays natal, tout comme Ulysse, ils arrivent ensuite en Grèce. Et là, après quelques jours après leur arrivée, ils sont à Mycène, et au reste, le neveu d'Hélène, donc le fils d'Agamemnon et de sa sœur Clytemnestre, l'enlève et il essaye de la tuer. Alors son père Zeus intervient, finalement c'est bien la première fois qu'il fait quelque chose pour sa fille, il la fait disparaître et la met en lieu sûr à Sparte. Quelques années plus tard, à la mort de Ménélas, les bâtards de son époux, conçus donc en son absence, vont jeter Hélène hors du palais et la contraindre à fuir le royaume. Elle pense alors trouver refuge à Rhodes, chez Polyxo, son ami d'enfance, sauf que ce qu'elle ignore, c'est que Polyxo a perdu son époux, qui est mort, l'un des premiers Grecs à être tombé au siège de Troie. Et que donc, depuis ce moment-là, Polyxo voue une haine farouche à l'égard de son ancien ami d'enfance. Polyxo va donc organiser une mise en scène particulièrement macabre qui va finalement conduire à la mort d'Hélène. Fille du roi des dieux, princesse de Sparte, reine d'Athènes, puis reine de Sparte, princesse de Troie, aucun de ces titres n'ont jamais épargné ou protégé Hélène contre toutes les épreuves qu'inlassablement les hommes et les dieux lui ont imposées. Comment alors, dans un tel contexte, trouver un autre nom à mon roman que je lui ai dédié, que celui de Hélène, moi Hélène la maudite.